À vous, Georges Aziz. Nous recevons à présent Miss Audi. Elle est chargée de communication à Avant-Garde de Production. Bonjour. Bonjour. Et vous Denise. Venez nous parler d'Afrique Fashion 9e édition. Et bien entendu, Abidjan bouge, bouge, bouge. Tout à l'heure, on a vu Georges Aziz. Avant, bien entendu, que tout le monde prenne la route du Palais de la Culture pour le 30, je vous rappelle que le 22, c'est-à-dire après-demain, samedi après-demain, une date à retenir, nous allons célébrer l'Afrique. Nous allons célébrer l'Afrique à travers la mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des facteurs de développement, mais il faut tenir compte du fait que la mode aussi contribue au développement économique et social d'un pays. Voilà, nous Alors, sommes qu'est-ce qui va différencier la 9e édition des autres éditions? De grandes, grandes innovations. Comme je le disais à mes passages précédents, cette année, nous avons décidé, et notre thème le dit bien sûr, la mode, facteur d'intégration. Donc nous avons décidé de célébrer tout ce que nous avons comme richesse richesse au niveau de nos tissés. Exactement. Voilà, de les valoriser, de leur donner leur clarté. Oui. Et justement, nous allons revitaliser tous ces pagnes que vous connaissez bien, les pagnes baoulées, les pagnes de toutes sortes, de l'Ouest, voilà. Et même des pagnes venues des autres pays de l'Afrique, tels que le Faso d'Afani, justement. Et à ce rendez-vous, là, l'Afrique sera représentée. Nous aurons le Togo représenté par Grace Wallace, le Bénin par Olowou, Sénégal sera représenté par Kolesso Ardo, le Burkina Faso sera représenté par Koro Deka, le Niger avec Alfadi, le grand Alfadi, l'Inde également, voilà, on sort carrément de l'Afrique avec Camila Bajlas, une styliste designer qui habille de grands noms de hollywoodiens et qui habille également la First Ladies des États-Unis, Madame Obama. Voilà, à côté de cela, nous avons bien sûr les autres qui vont les accueillir ici en Côte d'Ivoire, Habib Sangaré, Memel, Céline Kobi, Eloi Sessou, Cissé Moïse et bien entendu la touche intemporelle Pateo. Voilà. Tout cela vous donne rendez-vous ce samedi 22 aux alentours de 20h, sinon je dis 20h précises, voilà, pour célébrer l'Afrique. À côté de cela, nous aurons un plateau télé. Voilà, c'est vrai que le spectacle va démarrer à 20h, mais une heure avant, vous aurez un plateau télé qui va recevoir, un peu comme Denise le fait ici, tous nos invités, tous les stylistes, tous les hommes. Parlent de leur actualité. Voilà, exactement. Et vous serez dans la salle et vous les verrez sur l'écran géant. Alors, les tickets sont toujours disponibles au prix de 15 000 francs, tarif unique. Vous appelez le 22 41 85 11 ou le 40 30 95 26. On rappelle la date. La date, c'est ce samedi après-demain, samedi 22, je dirais 20h précises, dans le somptueux cadre du Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, tout juste à côté de la RTI. Merci. Voilà, appelez. Merci. Voilà, Denise. Merci. Isabelle Anneau, me charge, je vous remercie. C'est gentil. Votre carte. Merci beaucoup. Voilà, et nous vous attendons le samedi 22. Merci. Merci. Alors, nous recevions Miss Audi, chargée de communication à Avant-Garde Production, pour parler d'Afrique Fashion 9e édition. Voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 22 novembre à l'Hôtel Ivoire à 20h précise. Merci à vous d'être passé. Voilà, la suite, c'est avec mademoiselle Catherine Ayoma. Voilà, alors vous venez parler, vous êtes chef de service technique au centre de gestion intégrée du ministère du Transport. Voilà, le paiement des titres de transport par MTN Money. Bonjour voilà. Denise. Merci à vous. Bonjour chère, merci beaucoup. Madame. Bonjour chers téléspectateurs. Je porte à la connaissance de notre aimable clientèle que le centre de gestion intégrée du ministère des Transports a mis en place un paiement via le téléphone mobile qui est le MTN Mobile Money. Donc le code c'est le suivant, étoile 133, étoile 10, dièse, je reprends, étoile 133, étoile 10, dièse pour tous les abonnés MTN. Vous savez, au niveau des centres de gestion intégrée... Alors, pour quelle raison, j'allais dire. Voilà. Pourquoi? Donc, au niveau des centres de gestion intégrée, si vous voulez, le site principal qui est à Trècheville, nous avons une banque intégrée qui est la Bassie. Et donc, les banques externes qui sont aussi également la Bassie, on observe qu'il y a de très, très longues files d'attente. Mmh. Donc, pour pallier à cela, étant donné que dans la dynamique de la réforme du secteur de transport initiée par Monsieur le ministre des Transports, Gaoussou Touré, il était question de faciliter les procédures liées au traitement de ces procédures-là. Mmh. Donc, du coup, nous avons mis en place le MTN Mobile Money. Bien évidemment, les autres opérateurs vont suivre, mais pour l'instant, nous avons démarré avec MTN Mobile Money. D'accord. Voilà. Et donc, avec le temps, les gens pourront s'habituer à ce système-là? Exactement. Mm-hmm. D'accord. Et donc, je profitais aussi par la même occasion pour vous dire que les centres à Abidjan sont ouverts. Donc, nous avons le centre de Yopougon,
de Cocody, du Vallon, qui est uniquement dédié aux entreprises et aux concessionnaires, ainsi qu'aux personnalités. Et nous avons le centre du guichet unique pour tout ce qui est immatriculation initiale et à l'intérieur du pays dans pratiquement toutes les grandes villes. D'accord. Et un contact pour ceux qui voudraient d'autres informations, s'il vous plaît. Bien sûr, le 21 00 78 00. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler le mode de paiement? D'accord. Donc, je disais à tous nos usagers, le nouveau mode de paiement, vous avez la banque, mais vous avez également le téléphone mobile qui est étoile 133 étoile 10 dièse. D'accord. Merci à vous, madame. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Nous recevons à présent DJ Asco, le cascador, accompagné de DJ Baby Philippe. Bonjour à vous, merci d'être là. Mais vous venez parler d'une soirée spéciale, Baby Philippe. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je bénis le nom du Seigneur car c'est une grâce et une très grande bénédiction pour moi, DJ Asco, le cassador, deux fois micro d'or, de me retrouver sur le plateau de RTU1, ma chaîne préférée depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Merci de me recevoir chez vous par le canal de votre poste téléviseur. Je viens pour vous inviter à venir massivement, à partager, à vivre la bonne ambiance musicale avec nous tous les jours. Oui, vous qui connaissez du bon son, de la bonne sélection musicale, vous qui savez apprécier l'originalité, la qualité de la bonne ambiance musicale, assurée, gérée par le meilleur DJ de la Côte d'Ivoire qui ne sont nulle part ailleurs qu'au sein de l'établissement, le coffre-fort qui est le temple de la joie, situé à Abidjan, Yopougon, Sidessi, Carrefour, SGBCI, et tous les vendredis à partir de 20h, un géant podium est dressé rien que pour recevoir des méga stars, des artistes de renom tels que Baby Philippe qui est sur ce plateau avec moi ce midi, pour vous rassurer que effectivement le vendredi 21 novembre 2014 à partir de 20h, il sera avec nous le Showtime, ça sera pas du jeu, venez massivement apprécier le nouveau concept, le nouveau son qui fait tache d'huile partout, les quatre coins du monde. Oui, le Balomba avec Baby Philippe pour le vendredi 21 novembre 2014 à partir de 20h sur le géant podium du coffre-fort. Comme il est avec moi, oui, il aura l'occasion tout à l'heure de vous motiver à ce que vous venez massivement au coffre-fort. On n'oublie pas, le lendemain, samedi 22 novembre 2014, vous aurez le grand tournage du clip de Francky du Bonheur. C'est un manager au sein de l'établissement de coffre-fort qui est un temple de la joie. Oui, venez massivement. Venez vivre la bonne ambiance musicale, dames et messieurs, pour mieux vivre les fêtes de fin d'année. Il n'y a pas mieux ailleurs que le temple de la joie, alors, si le coffre-fort. Alors, si vous permettez, nous allons écouter Baby Philippe. Alors, quelle touche vous allez apporter à cette soirée qui vous est dédiée? Bonjour. Ça sera que des exclusivités. Voilà, je renoue avec mon public. Ça fait un moment que je me suis absenté de la scène. Mm-hmm. Et donc, ça sera l'occasion pour les fans et moi d'être en communion. Voilà, ils auront en exclusivité ma toute nouvelle chanson qui s'intitule Baloma. Il faut venir voir Baby Philippe en prestation. Voilà, rien que du bonheur. Alors DJ, merci DJ, un petit son, rapidement. Je vous ai dit qu'il est merveilleux, Dieu va faire venir des cieux, une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Philippe, c'est mon nom. Tu peux m'appeler Bibi. Merci beaucoup. Ça nana, promet. Ça promet. Ça va se passer. DJ Asco, on appelle le lieu. Ça va se passer. Ça va se passer au temple de la joie parce que ce n'est plus un maquis. C'est un temple de la joie parce que quand tu viens au coffre-fort, tu retournes joyeux car tu sens que tu t'es bien amusé. Merci. Et le coffre-fort est situé à Yopougon Sidessi, non loin du carrefour SGBCI. Pour les différents contacts, sentez-vous libre de contacter Oli Banadia au 40 97 82 00 ou pour votre information complémentaire comme je suis en train de le faire en ce moment, veuillez taper le 40 10 74 28 pour votre serviteur que je suis, Asco, le cascador, deux fois micro d'or d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci. Nous recevions donc DJ Asco, le cascador, et Baby Philippe pour une soirée spéciale au coffre-fort. Voilà, allez, bonne journée à vous. Merci. Merci d'être passé. Amen. Nous recevons Francky. Il est chargé de communication Boom Disco. Boom Disco. Voilà, Boom Disco. Et il s'agit de la deuxième Fashion Night. Non, avec le groupe Fashion Night. Fashion Night avec le groupe Tour de Garde. Ah, merci, bonjour. Merci d'être bonjour là. À tous ceux qui nous suivent. Voilà, comme je vous l'avais dit, ce jeudi, ce sera phénoménal. Ce sera vraiment la soirée Fashion. C'est pour dire qu'à partir de 20h, vous aurez le groupe Tour de Garde qui sera au Boom Disco, c'est-à-dire pour Grand Rue Princesse. C'est la Night Fashion, c'est-à-dire c'est une soirée où tout Abidjan viendra. C'est une soirée où tous ceux qui sont Fashion viendront. C'est une soirée où il y aura du glamour, il y aura des beaux habits, il y aura de belles femmes.
tout le monde sera fichon, ça va se passer au Boom Discours, ce soir à partir de 20h. Il faut dire qu'il faudra venir très tôt, il faut réserver. C'est une soirée qui va se passer dans un endroit, un cadre féerique. Je pense que c'est la meilleure discothèque à Bijan. Mais par ailleurs, sonorisation, service, parking, tout est personnalisé. Il faudra venir parce que ce soir, le groupe Tour de Garde sera là avec ses danseurs, ses danseuses. Il y aura une chorégraphie hors pair. Les clips passent tout le temps, tout le monde le voit. Je pense que tout le monde le reverra les mêmes pas qu'on a vu dans le clip du groupe Tour de Garde. Merci beaucoup. Donc ça sera ce soir à partir de 20h. La sécurité est garantie. Et puis il faut dire qu'il y aura d'autres artistes qui viendront égayer la soirée. C'est une manière à nous, de dire à tout le monde, excusez-moi, que Abidjan va vivre ce soir en mode fashion. Et il aura des amis comme Obama, fashion, qui est le parrain de la soirée, qui sera là. Et puis il aura la grande famille Voix fashion de partout, Abidjan, Saint-Pétro. Alors moi, je vais le donner. On y va. Non, je refuse pas. 07 91 91 09, c'est le numéro de Abogaïs Manager. Le 01 00 12 41, vous appelez au 09 31 30 00. Merci. Boom Disco, rue Princesse, nulle part ailleurs. Vous arrivez, vous appelez, vous serez servi ce soir, tout de garde, à partir de 20h. Merci à vous, Francky. Alors, nous recevons maintenant Tchalako, le King, avec des artistes. Voilà, pour parler du programme du Mythic Club. Merci d'être là. Oui, merci. Voilà, bonjour merci. À vous. Oui, merci, bonjour. Maman. Maman Beauzieux. Merci. Ça fait un bon moment. Oui. Ok. Je suis là, sur ce plateau, pour annoncer un événement exceptionnel, un événement de taille. Et ça va se passer nulle part ailleurs, au Mythic Club International, qui est situé du côté de la rue Princesse, une discothèque folle de son rayon de lumière, des salons VIP, un service de qualité et un parking sécurisé. Voilà. Donc, le Mythic Club reçoit ce jeudi, à partir de 22h, un grand groupe qui fait la fierté de la musique ivoirienne. Là, ils viennent d'arriver d'une tournée internationale, ils sont là, ils sont aimés. Tout le monde, tous les fans sont, ils attendent le spectacle de ce soir. Eux, c'est les leaders du Zouglou seront au Mythic à partir de 22h pour un spectacle inédit. Il ne faut pas rater l'occasion. Donc j'invite tous les fans des leaders à effectuer massivement le déplacement ce soir à partir de 22h. Ils sont là pour confirmer. Là, si vous permettez, voilà. Ils vont dire un petit mot aux téléspectateurs. Oui, bonjour, pour confirmer. C'est ce soir au Mythic Nightclub. Vous verrez aujourd'hui, les Hongkongs, vous qui parlez trop là, on fait rien, vous. Laissez les gens parler, Benito de Dubaïo. Laissez les gens parler, Ahmed Magnifico. Les Hongkongs, nous on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Merci à vous, vous allez rapidement rappeler. Ce soir à partir de 22h au Mythic Club, il ne faut pas rater l'occasion. Et puis il faut rappeler que tous les dimanches, on a la Rumba Live avec le groupe TP. Mazambé, représenté par Douglas l'ingénieur. C'est fou. Un contact, tous les dimanches au Mythic Club. Pour plus d'informations, vous pouvez taper le 07 31 94 51 ou le 07 73 55 63. Rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 22h au Mythic Club. Et tous les dimanches, la Rumba Life après l'anniversaire de Mokhtar de Genève avec comparé à Boninal, Didier Arafat, Debordo Nikoufa. Ça va exploser, ça va décoiffer. Ne ratez pas les leaders ce soir. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être passé et bonne journée. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce magazine, les rendez-vous de la DCM. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Nous disons merci à Nguesson Tano pour la réalisation et nous remercions les assistants, les techniciens, les chefs de plateau. Et surtout, nous vous souhaitons bon appétit et bonne suite de programme sur RTI 1.